Mesdames et messieurs, il est là, ouf, Ray Cox, bravo. Bravo Ray Cox, il a l'air, je peux vous le dire, de s'être réveillé il y a 3 minutes. C'est pas gentil, quand tu reviens de 5 semaines de vacances. Oh, bah non, une semaine. Mais c'est déjà pas mal, c'est formidable, j'ai découvert un truc formidable. Quand on est fatigué, eh bien rien de tel qu'une semaine de vacances. Ça c'est vrai. Je te le conseille parce que tu as une petite mine là, hein. Oui, une petite mine toi. Hein. Oui. Et où bien, tu voilà. as été alors? Eh bien, je suis allé. Écoute, la semaine prochaine, j'apporterai mes dias de vacances. Oui. Et puis, je vous raconterai. Je sais où tu as été. Mon périple. Bon, ça ne regarde personne. Tu as été à Blankenberg. Nous ne sommes pas là pour parler de nous, mais bien pour passer de la musique. Oui. Et qu'est-ce que nous allons écouter, mon cher, maintenant? Non, je trouve ça pas juste. Quand moi, je suis revenu de vacances, tu m'as fait. Qu'est-ce que nous allons écouter maintenant? Aucune idée. Un disque? Aucune idée. Ça dit quelque chose. Alors, j'annonce encore un disque et puis je m'en vais, mesdames et messieurs. Je crois que c'est Tracy Young. Invitation. Et puis on peut aussi dire que c'était le disque cité d'Alexis Midnight Runners. Il est parti en vacances avec 50 000 balles de golf et est revenu avec un seul parce qu'ils sont tous tombés dans la mer. Renato Pata de Châtelineau. Et maintenant Ray Cox sur Radio Cité. Bon Merci. Amusement.